É qual é, irmão? La charanche. Amém. Isso, vem com milha isso. Salaram de joli. Bola, bola. C'est toi qui le vois à Conori, ça le rend joli. Oui. Il est dans votre eau. Ah, la femme de Conori. La femme de Rigaud. Malgré. Voilà. Joli. Joli, au fait. C'est la vérité. Voilà. Qui va venir te pousser comme ça? Je dois encore finir par donner. Qui va venir te pousser comme ça? Et puis, gagner. Dieu lui-même, on se reçut par rapport à quelque chose. Amen. Si tu perds, quand vous gagnez. Les disciples ont regardé Jésus, ont dit tes histoires d'aller au ciel. On a tous les écouté dessus. Amen. C'est qui Dieu a dans sa vie. Il a amen. Toi, tu dois en prendre possession. Il a pas passer dans la bataille avec assez pour manger là-bas. Et vous voulez, d'accord, on est bien, d'accord, on est d'accord, tout le monde. Amen. Mais là, moi, c'est là-bas, on va manger, il y a ça. Oui, vous voyez, vous voyez, là, il y a ça. Père, écoutez. Amen. Amen. C'est vrai que tes parents n'ont jamais une voiture, mais toi, tu vas avoir voiture. Amen. Vous parlez que voiture, là, c'est fait malin. C'est une nécessité. Tu vas attendre qu'on calme tout le temps. Jésus est dans une bergerie, un coin sale. Je dis que ça, ça tu es. Dieu fait de toi le roi. Il était sale, il était dans la bergerie où il y a odeur sale. Et les gens ont son étoile. C'est qui les gens ont commencé à voir votre étoile. Pourquoi c'est toi toujours qui as la connerie? Moi, je suis mon frère aujourd'hui. C'est toi toujours. Les vilains choses doivent te toucher. La grâce de Dieu. Vous allez manger, moi, Jean. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis l'enseignement encore le vendredi prochain. Est-ce que tu veux que je sème dans ta vie? Je dois donner une parole à ta vie. C'est comme un chat à nettoyer, comme Dieu le veut. Je vous informe maintenant, ça fait maintenant une semaine. Elisabeth Dauvé est partie avec de l'huile sur Paris. Et merci pour Clément, le mari de Francisca, ma fille. Merci pour Françoise depuis Paris. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, qui ont décidé de se mettre ensemble pour que cette fois-ci, que nous rentrons sur Paris pour une croisade. Ils ont commencé à se mettre ensemble. Et c'est Elisabeth Dauvé, c'est elle qui nous représente sur Paris. C'est elle qui nous représente. Elle a commencé. Elle m'a déjà parlé. J'ai dit oui, il y aura des conférences vidéo avec vous. Tous ceux de Paris qui voient des conférences vidéo. Mais c'est elle qui,
qui vend des huiles. Voilà, si je peux appeler ça comme ça. Celle qui s'occupe de ça à Paris. Parce que c'est important que vous ayez ça sur vos vies. C'est important que vous ayez ça dans la maison. C'est important que vous ayez ça sur vous. Je m'en fiche de celui qui interprète ça de sa manière. La Bible dit, si tu es malade, appelle les anciens de l'église, pas pour imposer les mains, qui prient pour toi en te croyant Dieu. Amen. On n'a pas de venir parler sur toi, on a vu verser crachat sur toi. On dit c'est lui qui va verser sur toi. Amen. Pas sa salive. C'est lui. Il va verser sur toi. Amen. Quand tu dis sa salive là, tu as sur ma tête. On dit c'est lui. Amen. Que les anciens prient pour toi en te croyant Dieu. Jacques 5, le verset 14. Vous interprétez ça comment? Cette parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que vous venez de faire tout à l'heure. Parce que d'abord, la première action, prenez du huile, mais dans la main. Vous versez ce côté. Quand vous êtes en train de nettoyer votre vie, tout ce qui a été fait. La pauvreté, la misère, les liens, la parenté, vous brisez tout ça en faisant tout ça, comme ça. Et après ça, vous prenez la parole de Dieu. Alors, qui est une semence. C'est le plus brisé. Amen. Montre ça comme ça qu'on lui. Bien sûr. Parce que vous ne savez pas ce que est dedans. Ça va changer ta vie. Amen. Ça va changer beaucoup de choses. Amen. 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 Arrachez la bouteille et puis versez ça. Amen. Arrache la bouteille, elle apporte une fois. Elle n'a pas mangé tout le monde, c'est ça. Amen. Tu vas parler si tu as fait. Je vais parler. Et pendant que je parle, prends le soin de verser lui. Amen. Vous voulez que je parle? Amen. Il faut que j'ai une parole. Amen. Il faut que j'ai une parole. Mets ta main là-dessus. Je parle. Va se lever pour t'attaquer. Il est arrêt cardiaque. Dis, je reçois au nom de Jésus. Le jour où un chien, un petit chien, un marabout va se lever et qui va te tuer. Un sorcier lui va te manger. Que son cœur s'arrête, dis le soir. Le jour. Nous sommes au petit matin. Ce petit matin consomme les paroles. C'est l'heure de la parole. Le jour où un féticheur, un sorcier, toute une confrérie décidera de te manger. Que toute cette confrérie, que tout est arrêt cardiaque. Amen. Amen. Reprends encore de lui. Dans ta main. Mais ça c'est pas fait. Mais quoi ta mère reste comme ça. Il faut me discerner quelque chose. Lui elle est à compter d'aujourd'hui. Non. Moi que la pauvreté ne soit jamais nommée dans ta vie. Dis, je reçois.
Je fais de toi une femme, un homme riche. Je le sens. Je suis la richesse dans ta vie. Je le sens. Avant d'entrer sur cette terre, sois un multimilliardaire. Avant d'entrer sur cette terre, sois un multimilliardaire. Je suis en train de chasser la pauvreté de vos vies. La pauvreté disparaît. La pauvreté disparaît. Écoutez-moi. Mettez la main droite sur la tête d'abord. Toute arme forgée contre moi, désormais. Allons-y. Toute arme forgée contre moi, désormais. C'est la somme de fait. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Première fois, deuxième fois. Non, vous ne restez pas lui. C'est la dernière fois, la septième fois, vous versez tout le contenu sur vous. Voilà, j'en ai un souvenir, il peut vous. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Désormais. Sera sans effet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Troisième fois. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Désormais. Sera sans effet. Maintenant, quatre fois. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Désormais. Désormais. Cinquième fois. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Désormais. Désormais. Sera sans effet. Sera sans effet. Sixième fois. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Désormais. Désormais. Sera sans effet. Sera sans effet. La septième fois. Levez la bouteille. Commencez à verser sur votre. Verse sur le contenu. Verse sur le contenu. Verse sur le contenu. Et serré désormais dans ta vie. Nous revenons une dernière fois. Toute arme, forgée contre moi, désormais, sera sans effet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La bouteille. Là, oui, la parole d'Esaïe 54, verset 17, doit avoir son accomplissement dans ma vie. Celui qui se lève contre moi, parce que j'explose la bouteille, que sa vie explose comme ça. Amen. Amen. Nous sommes dans la série de l'important de la consécration. Ne manquez pas. Parce que la prochaine fois, on va parler sur lui. Vous allez les placer dans vos maisons.
Vous allez verser d'abord manger ou préparer. Ah, il s'est fait aller à peu près. Allez, je passe sur vos maisons. Nilgara, sur vos familles. Ah, tu es quoi? Amen. Amen. On dit amen. Amen. Nous levons tous les mains. Ah, je suis quoi, vous? Nous levons tous les mains. Ah, je suis quoi, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Et tu es dans ta parole. La Bible déclare que tu verses ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Pour l'accomplir et l'exécuter. Merci. Merci de bénir ces bien-aimés. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on a déjà lavé les pieds des gens? Non. C'est important. Ne ratez pas la veille de la vendredi prochaine. Amen. C'est le dernier vendredi. C'est le dernier vendredi d'ailleurs. Entrez en décembre. Donc le vendredi prochain, ne ratez pas ça. C'est ici. Le dernier vendredi, c'est ici. Nous allons faire le premier vendredi. Maintenant, le premier vendredi, ça dit go. Le frère, nous avons 4 vendredis. Alors, il y a un mois, un seul vendredi pour Dido. Le vendredi prochain, c'est ici. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Ici, il n'y a que demain, je crois. Mais ceux de Dido ici, on a un programme sur ce soir de rentrer. Parce qu'on a une réunion de préparatif de la Noël, préparatif de beaucoup de choses. Nous devons avoir une réunion pour mettre un peu l'ordre dans l'organisation et l'ordre un peu partout parmi nous.